projection de films pour briser les tabous de l'autisme. L'autisme qui touche 1% de la population est encore mal perçu par de nombreuses personnes. Et puis un séisme de magnitude 7.2 à Sequoia, Haïti ce matin, causant la mort d'au moins 29 personnes ainsi que des dégâts matériels dans le sud-ouest de l'île. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'autisme fait partie des troubles du développement et qui durent tout au long de la vie. Ces troubles affectent les compétences de communication, les interactions sociales. 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés et les personnes atteintes d'autisme sont confrontées aux préjugés, une barrière que veut lever l'association Cœur Bleu en sensibilisant par une projection de film. Alassane Pargan-Drabo. Je n'ai jamais vu un enfant qui mange son propre caca. L'enfant autiste n'est pas un sorcier, encore moins un enfant frappé d'une grande malédiction, comme le veulent les nombreuses idées reçues. C'est un enfant normal et comme tous les autres adolescents de son âge, il a besoin d'amour et de protection. L'autisme, c'est ça. C'est plus une solution qu'un handicap, je l'ai dit. On a besoin d'amour, de soutien, de compréhension. Sois toi-même et tu ne seras jamais autiste. Le film 2 avril, projeté jeudi à l'hôtel Novotel du Plateau, met en scène le douloureux parcours d'un couple dont l'unique enfant est autiste. Sa première projection en terre ivoirienne a ému le public présent. C'est juste de briser les barrières, de sensibiliser les gens pour qu'ils arrêtent de croire que l'autisme c'est de la sorcellerie. L'association Cœur Bleu est née il y a quelques mois en Côte d'Ivoire. Cette association de parents d'enfants autistes ambitionne mettre fin aux nombreux clichés sur l'autisme et plaide pour la réduction du coût de scolarisation des enfants souffrant d'autisme. Nous sensibilisons dans le milieu éducatif et là nous avons décidé de faire une sensibilisation de masse. Donc aujourd'hui, c'est là, attirer l'attention des autorités. Sortez des clichés, l'autisme n'est pas une sorcellerie, l'enfant autiste n'est pas un enfant sorcier. Avec beaucoup d'amour, on peut l'accompagner et l'aider à évoluer dans la société. Le représentant du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant l'assure. Le gouvernement entreprend de nombreuses actions pour le bien-être des enfants autistes. Il y a une véritable politique à travers les différents centres sociaux qui est mise en place pour accompagner ces différents parents-là dans l'éducation de ces enfants et également dans la prise en charge de ces enfants. Comme le titre du long-métrage, tous les 2 avril, est célébrée partout dans le monde la journée de sensibilisation à l'autisme. Un appel à changer de regard envers les enfants frappés par ce trouble du développement et faciliter leur insertion dans la société. Les petits rois de Moayekoun de Bengéville célèbrent les enfants atteints de handicap. Ces enfants ont reçu beaucoup d'amour et en donnent aussi chaque jour à ces personnes qui les encadrent et leurs familles qui n'ont pas cessé de croire en eux. Alassane Drabo. Promouvoir l'égalité des chances et contribuer à l'autonomisation des personnes en situation de handicap à travers l'école afin de favoriser leur insertion socio-professionnelle. C'est l'objectif des responsables de l'école inclusive, les Petits Rois de Moayekoum. À l'occasion de leur fête de fin d'année, la directrice de cet établissement scolaire, Die Yvette, a indiqué que la société a tendance à ignorer les enfants en situation défavorisée et qu'il était capital de permettre à ces enfants de se connecter au monde. Pour la fondatrice de l'école, cette initiative vise à montrer aux enfants dès le bas âge qu'ils ont certes des amis différents d'eux, mais sont eux aussi des êtres humains. Changer le regard des enfants sur les personnes en situation de handicap. Mais surtout, l'idée de les mettre en présence des enfants dits normaux permet, selon la fondatrice, de les aider à se socialiser et à s'intégrer rapidement. Le président de l'Association des personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire a exprimé sa gratitude à l'ensemble des travailleurs avant d'encourager les parents à mieux encadrer leurs enfants. Il n'a pas manqué de saluer la fondatrice de l'école, mais aussi la direction du centre. Moayekoum, sa mission, s'occuper de la prise en charge socio-éducative des personnes en situation de handicap sensoriel, physique, mais aussi les enfants ayant des difficultés scolaires. Revivons ensemble la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations de Zégo, non loin de Hiro, ont aussi célébré l'événement. 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Zégo, localité située à 16 km de la ville de Hiré, dans le département de Divo, n'a pas voulu rester en marge de cette commémoration. Les populations sont sorties nombreuses pour se rendre à l'esplanade de la sous-préfecture. Prise d'armes et salut aux couleurs en présence du sous-préfet Niawa Inès Marie-France et à ses côtés, le commandant de la gendarmerie.
Dans son allocution, le sous-préfet a exhorté les populations à respecter les mesures barrières afin de lutter contre la COVID-19. Elle a également insisté sur l'importance qu'il y a à préserver la cohésion sociale et la réconciliation entre les filles et fils de sa localité, non sans mentionner les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Carton plein pour le Festito Culture à Niakayao, un village situé dans le département d'Issia, dans la région du Haut-Sassandra. Ce festival vise à promouvoir le Tohuru, cet art oratoire qui fait la fierté du peuple Ouai dans l'ouest du pays. Nusangari Alassane Parigandrabo était au cœur de l'événement. Le parolier a un nom en pays bété, et ce nom c'est le Tohuru, un art exécuté par les dépositaires de la tradition et de l'histoire du peuple bété. Nous sommes au Festito Culture, festival qui vise à promouvoir le Tohuru, cet art oratoire qui allie poésie, chant et instruments traditionnels de musique, a été célébré dans la ferveur à Nakiayo, village situé dans le département d'Issia, dans la région du Haut-Sassandra. Le Tohuru vient de l'expression Niabwa, tonon Uru, qui signifie « donne-lui des conseils, initie-le à la tradition ». À travers les tests du Tohuru, on éduque, on enseigne notre société. Alors pourquoi initier un festival de Tohuru? C'est dans le but d'enseigner la jeunesse, c'est dans le but d'enseigner notre société en perdition, notre société qui abandonne ses us et coutumes. Né en pays Ouai, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, le Tohuru a transité chez les Niabois de Zoukoubé, dans le centre-ouest du pays, où il a été rendu populaire par les chansonniers bété. Outre le Tohuru, cette troisième édition du Festito a permis de mettre en exergue d'autres potentialités culturelles du grand peuple bété, dont la danse des hommes panthères, une danse des initiés. Le masque Nyeseko de Nyekebuo était aussi à ce rendez-vous culturel. Cette édition 2021 du Festito, parrainée par l'ambassadeur de la paix Emmanuel Kouao, était placée sous le sceau de l'intégration culturelle, gage de cohésion sociale. Salek Kebzabo, principal opposant au régime de l'ex-président tchadien Idriss Déby Itno, a été nommé vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif devant conduire à des élections présidentielles et législatives. Le comité d'organisation du dialogue national inclusif est composé, selon l'arrêté, de près de 70 personnes, dont des membres du gouvernement, des représentants de la jeunesse et des confessions religieuses. Un peu plus loin, en Guinée-Bissau, l'ancien premier ministre bissau-guinéen Carlos Correia est décédé aujourd'hui à Lisbonne à 87 ans des suites d'une longue maladie. Un vétéran de la lutte pour l'indépendance de l'ancienne colonie portugaise, Carlos Correia était un ancien chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC, qui a très longtemps dominé la vie politique du pays. Il a été chef du gouvernement à quatre reprises, 1991, 1994, 1997, 1998, 2008, 2015, 2016.
Et puis au moins 29 morts ont été déjà recensés, 17 dans le département de la Grande Anse, 9 dans la ville des Caïès et 3 dans le département des Nipès après un séisme de magnitude 7.2 qui a secoué Haïti ce matin, faisant aussi des dégâts matériels dans le sud-ouest de l'île et ravivant les souvenirs du grand tremblement de terre de 2010. Le tremblement de terre s'est produit à 12 km de la ville de Saint-Louis-du-Sud, située à quelques 160 km de la capitale haïtienne, à Port-au-Prince. La longue secousse a été ressentie sur l'ensemble du pays et des dégâts matériels sont déjà enregistrés dans plusieurs villes, selon les images de témoins dans la péninsule sud-ouest de l'île publiées sur les réseaux sociaux. Sachez-le, le séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé la capitale et plusieurs villes de province avait fait plus de 200 000 personnes et plus de 300 000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe. Donc, plus de 200 000 personnes avaient perdu la vie. Les talibans, eux, étaient presque arrivés aux portes de Kaboul hier, continuant leur progression. Nous suivons ce reportage de l'un de nos confrères de l'AFP, commenté par Alassane Parguin Drabou. Les talibans continuent leur progression en Afghanistan. Ils contrôlent près de la moitié des capitales provinciales et visent désormais Kaboul. Dans la capitale, des milliers d'Afghans du Nord ont trouvé refuge. Une roquette a frappé à l'arrière de notre maison. On a peur. On s'est dit que si cette nuit elle frappait l'arrière de notre maison, demain soir la prochaine frapperait notre maison. On a décidé de sortir nos enfants de là. Le retrait des États-Unis doit être achevé au 31 août. Face aux insurgés, Washington envoie 3 000 soldats pour évacuer les diplomates. Le premier mouvement sera constitué de 3 bataillons d'infanterie qui se trouvent actuellement dans la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis. Ils se rendent à l'aéroport international de Kaboul dans les 24 à 48 heures. 2 de ces bataillons relèvent des Marines et le 3e de l'armée américaine. À Doha, 3 jours de négociations se sont achevés sans avancée. La seule chose qui empêcherait l'Afghanistan de sombrer dans l'anarchie, c'est un accord politique. Mais malheureusement, lorsque les talibans étaient ici, ils ont refusé de parler à Ashraf Ghani. Leur condition est que tant qu'Ashraf Ghani sera là, ils ne parleront pas au gouvernement afghan. Au moins 183 civils ont été tués en un mois et quelques 250 000 personnes ont été déplacées par le conflit depuis la fin mai. Le nord de l'Algérie brûle toujours. Pompiers, militaires et volontaires œuvraient aujourd'hui à éteindre les derniers feux de forêt avivés par une chaleur extrême. Les équipes de la protection civile œuvrent actuellement à éteindre 29 incendies à travers 13 préfectures, notamment à Tizi Ouzou, Tijel et Béjaïa en Kabylie, a précisé un communiqué. Au cours des dernières 24 heures, donc 43 foyers ont été éteints dans 20 préfectures. Une centaine de feux avaient été recensés jeudi dans tout le pays. En l'absence de nouveaux bilans globaux officiels, les bilans rapportés par les autorités locales, la protection civile et le ministère de la Défense font état au total de 90 morts. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.